Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire 50 éliminations en utilisant l'atout fantôme en multijoueur ou tuer des ennemis alors que vous êtes sous la couverture d'éther en zombie. Donc moi je vais vous présenter le défi en zombie parce que je suis un joueur zombie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir déjà vous créer une classe avec couverture d'éther. Vous allez dans une classe, ensuite vous allez dans amélioration de combat et vous choisissez couverture d'éther. Donc moi, même si les paliers 1 ça fonctionnera, donc moi il est palier 5. Mais même si vous l'avez de niveau 1, c'est pareil, ça fonctionnera. Ensuite vous allez lancer une map en zombie. Donc moi je vais lancer sur la map d'Imachine en solo. Donc c'est parti et ensuite je vous explique ce que vous devez faire. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est très très simple. C'est de remplir votre spécialiste en tuant des zombies. Donc regardez, à chaque fois que vous tuez des zombies, votre spécialiste en bas à droite, sa jauge va augmenter. Donc le but, c'est de remplir la jauge en bas à droite pour activer votre spécialiste. Donc pour augmenter la rapidité du défi, moi j'active l'incubateur de carnage, ce qui va faire en sorte que les zombies vont être beaucoup plus nerveux et vont courir directement. Donc ils vont plus marcher, ils vont courir directement. Alors si vous êtes un joueur expérimenté, bah, vous pouvez le faire. Si vous débutez dans le mode zombie, je vous conseille quand même pas d'activer l'incubateur de carnage. Alors là, je vais tuer autant de zombies. Je ne sais pas combien il faut en tuer. Je pense que c'est une vingtaine ou une trentaine pour charger l'entièreté de son spécialiste. Donc là, je suis à 15 zombies. Je suis à un quart. Donc c'est possible qu'il faut en tuer 40 plus ou moins, je crois. Voire même 60 en réalité. Là, je suis à 30 zombies. Non, 27 zombies. Je suis un peu plus loin que la moitié. Ouais, donc 40-50 zombies. Et normalement, votre spécialiste est rempli. Ok, donc là j'ai rempli mon spécialiste, donc j'ai déjà une charge de disponible. Comme je suis palier 5 du spécialiste, je peux en obtenir 3 maximum. Donc là ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de paquer tous les zombies. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais tourner en rond et je vais paquer tous les zombies. Alors voilà, quand vous avez bien paqué tous les zombies derrière vous, ce que vous faites c'est que vous activez votre camouflage d'éther, boum comme ceci. Et là ben, vous allez tuer tous les zombies. C'est parti. Bam. Et voilà, donc là j'ai déjà tué plutôt plus ou moins une vingtaine ou une trentaine de zombies. Et je vais devoir recommencer une deuxième fois, une troisième fois pour terminer le défi. Parce qu'il faut tuer 50 zombies en étant dans la dans le camouflage d'éther. Donc là, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais re-remplir mon spécialiste et je vais retuer des zombies. Alors très important, quand vous avez une mort instantanée et que vous tuez des zombies, ça ne charge pas votre spécialiste. Hein. Faut attendre que la mort instantanée s'en aille pour pouvoir charger votre spécialiste. Ok, donc là j'ai chargé mon spécialiste. Maintenant je vais packer tous les zombies et je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, donc j'active mon spécialiste. Ensuite je sors ma batteuse. Après vous pouvez le faire avec autre chose, hein. Vous pouvez le faire avec votre arme. Et là ben, je tue tous les zombies qui restent. Ok, donc là j'ai toujours pas fini le défi, donc je vais le refaire encore une fois. Donc vous ne prenez pas la mort instantanée, parce que si vous prenez la mort instantanée, bah, vous ne pouvez pas charger votre spécialiste quand vous faites des kills. Ok, donc là logiquement, avec tout le tas que j'ai derrière moi, ça va devoir... Normalement j'aurai terminé le défi quand je les aurai tous tués. Donc j'active mon spécialiste, je sors ma batteuse et là... Normalement le défi devrait être terminé là. Surchauffé, voyons voir. Ok, vous croyez aux fantômes. Donc voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir terminer le défi et débloquer la récompense. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.